Télément TV, bonjour, bonsoir tout le monde. Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame Soanette Désir, en tête collée avec Cébel Haïti, avec Pascal Cherise, lancé une journée qui est Salon de l'Emploi pour les personnes handicapées qui a fait samedi 29 mai. Nous allons suivre tout à tout, Madame Soanette Désir et M. Pascal Cherise, sous 4 Télément TV. C'est un souci pour nous capables d'informer la presse à toute population. Donc, sur une activité que nous avons pour réaliser, qui est le Salon de l'Emploi, donc samedi 29 mai. Et 21 mai 2012, le gouvernement haïtien a promulgué la loi sur l'intégration des gens qui sont handicapés. Dans ce sens, il y a un article là-dedans qui est l'article 44, donc qui fait obligation à tout établissement agricole, service commercial, industriel, donc quel que soit type d'institution, pour que les gagner dans le personnel lié de monde qui handicapé comme employé. Et sous base qualification et aptitude monio, donc pour capable réaliser tâches que vous gagnez pour exécuter. Par exemple, loi dit mentionné que une entreprise qui gagne 21 à 50 employés, donc il doit engager au moins il y a un monde qui est handicapé. Et malheureusement, disposition légale ça donc n'est pas vraiment appliqué. Et BCF qui c'est bureau pour intégration monde qui est handicapé yo, donc conscient de situation ça, et bien prend un ensemble de dispositions pour que nous capable faire promotion de manière générale pour monde handicapé qui ait un meilleur accès à emploi. Et projet ça donc dans contexte là BCF prend initiative là pour que nous organisions un salon emploi donc pour les gens qui sont handicapés. Événement ça, nous avons fait samedi 29 mai et nous avons réalisé avec support technique de CEDEL, qui est le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Donc nous avons gagné M. Pascal tout à l'heure qui va le gagner pour informer nous donc, techniquement de comment l'événement est organisé. Et nous voulons attirer attention la presse dans l'objectif Salon Emploi. Ça. C'est pour que nous soyons capables de contribuer donc, dans l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Là. Pour faire entrer en relation avec institutions qui sont dans le secteur public, privé, institutions internationales, multilatérales et bilatérales. Dans une approche qui chita sur l'inclusion, qui mettait accent sur respect quota que loi lui-même lui fixait, article 44 loi portant sur intégration monde qui handicapé. Et pour nous capables faire valoir tout, ça que relait engagement en matière de responsabilité sociale parce que entreprise yo donc yo gagne ça yo doit rentrer dans l'ISA. Faut nous dit que l'état haïtien ratifié convention relative sur droit monde qui handicapé. C'est l'autre engagement encore parce que feuille de route que nous gagnons et président clairement identifié pour que nous-mêmes nous faire promotion pour application convention relative sur droit monde qui handicapé et puis veiller tout sous application texte de loi portant sur intégration monde qui handicapé. Et pour qui ça un salon de l'emploi et c'est sûr que gen moun qui toujours apprend des têtes, oui, il y a la loi pour ça, mais est-ce qu'il y a un monde qui est handicapé qui travaille? Et aujourd'hui, nous dit que il y a un peu de monde qui est handicapé qui formé, il y a qui qualifié comme professionnel pour le travail. Et bien, vraiment, c'est mettre en contact plus que 200 monde qui est handicapé, donc avec plus que 50 chefs d'entreprise pour capable justement arriver passer des entrevues dans le journée salon emploi et puis il y a qui arrive tout embaucher ça va dépendre et après être à l'avenir en contact avec l'entreprise ça yon façon pour nous capable gagner plus monde qui handicapé qui intégré marché travail. Nous voulons attirer attention la presse tout travail à faire c'est un travail transversal parce que bureau secrétaire d'état pour les gens qui sont handicapés, nous ne sommes pas là pour nous embaucher tout le monde qui est handicapé. Parce que là, nous allons parler de plus que 1 million de monde qui est handicapé. Donc, d'où l'obligation pour que nous-mêmes, nous fassions promotion ça pour application de la loi. Parce que les gens qui sont handicapés, depuis les qualifiés, bien entendu,
pas pour embaucher moun sous base de médiocrité parce que c'est un moun handicapé, pas pour embaucher moun sous base de faveur parce que c'est un moun handicapé, mais vraiment c'est aller dans aspect inclusion, embaucher moun handicapé parce que il c'est un professionnel qui qualifié. Et ceci étant dit, donc dans le 21e siècle, je dis à n'a parlé sur le plan international, une entreprise qui voulait une entreprise qui a une image internationale doit travailler sur culture organisationnelle inclusive. Ce qui veut dire qu'il y a une culture de ça pour que qu'on est que li capable d'employer un monde qui est handicapé, pas sous base de discrimination, mais sur une base de respect, ça la loi dit, pour inclusion monde qui est handicapé sur le marché de travail. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité pour nous aujourd'hui, hein, pour nous parler de gros salon ça que bureau secrétaire d'État, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a réalisé. Moi-même, Pascal Chéris, non, centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, c'est de l'Haïti, qui c'est entreprise qui est chargée pour organiser le salon ça. Nous gagnons privilège pour nous partager, d'Akadi, quelques éléments par rapport à l'organisation, événement ça. D'entre Dieu n'a dit que salon, tant pour Jean, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame Soinette Désir Sotilan, lui visait à favoriser, faire promotion pour travail, pour monde handicapé. Nous connaissons en général. Société noire gagne une façon de penser. Li gagne des schémas de pensée dans la tête. Li. Si tout par rapport avec catégorie moun, d'Akadi qui est vulnérable, des fois, lorsque on moun go handicap, en pile fois moun nan déjà limité dans la société, hein, li pa gen accès avec une série de infrastructures qui fait que limité dans avancement, avancement professionnel, li, avancement académique. Li. Mais malgré tout bagay sa yo, malgré tout contrainte, tout problème nous connaît en Haïti, moun handicapé yo, yo pa chita sou laurier, yo di que yo handicapé, yo fait effort, yo bravé structure infrastructure que nous gagne yo, yo formé tête yo. Donc société a fonti effort pour ba un petit coup de pouce pour aider yo avancer. Donc c'est dans cadre ça, c'est de l'Haïti lui-même qui des firmes qui té réussi décrocher contrat ça après on passation de marché qui était faite bon par bureau secrétaire d'État. Donc nous-mêmes nous sommes juste là pour nous faire un petit coup de pouce, aider mon yo mettre un petit minimum d'infrastructure, un minimum de préparation dans dossier yo, dossier curriculum vitae yo, ça nous relève CV1, et puis tout aider yo préparer en interview d'embauche parce que nous-mêmes nous pas là pour nous forcer la main à l'entreprise pour nous dire oui, c'est mon handicapé, il faut qu'on embauche. Jean, secrétaire d'État, se dit là, nous là pour nous faciliter l'échange ça, nous faciliter relation entre entreprise et monde qui a cherché travail, surtout si là, qui c'est handicapé, qui c'est monde handicapé. Donc, comment ça fait? Pendant un mois, c'est Dell Haïti lui-même, lui, travaille avec moun handicapé yo, parce que objectif là c'est permettre nous réunir 200 moun. C'est pas que c'est 200 moun handicapé qui gagnent, mais compte tenu de limitation nous par rapport à contexte la corona, nous pas capable dans un espace réunir on a quasi toute population qui handicapé que nous t'a joindre. Donc nous commençons un événement ça, il y a un élément déclencheur, il voulait jeter projecteur sur mon handicapé pour dire attention, moun yo gen compétence, moun yo gen aptitude, yo gen attitude, yo développé attitude tout. Donc moun sa yo yo prêt faut nous permettre moun yo travailler. Donc nous réunis ensemble avec yo, nous mettez à jour CV yo, parce que en pile fois moun yo gen des CV qui te gen doit pas à jour parce que l'on pral non on interview pour en embauche, il faut que CV très à jour. Donc nous travaillons ensemble avec eux pour nous assurer que CV à jour. Et puis tout, puisque l'objectif là, c'est permettre dans un premier temps faire entreprise découvrir capacité monde handicapé pour le travail. Donc nous-mêmes nous sélectionner des CV, c'est pas que l'autre monde n'a pas mérité de travail, non,
mais nous obligés font effort par rapport avec contrainte corona, contrainte limitation espace là. Donc nous sélectionner 200 candidats avec 200 CV d'académie que nous préparer pour que nous allons présenter devant un parterre de 50 entreprises. Bon, entreprises à eux, comment nous sélectionner eux? D'abord, nous communiquer avec eux, il y a des spots publicitaires qui passent sur l'événement pour attirer l'attention d'entreprises autour par rapport à l'obligation en termes de législation pays qui m'a dit fort, mon quota qui respecte pour mon handicapé. Mais tout, je dis, on nous connaît que l'entreprise, le public, le client a suivi. Et même au niveau international, on ne paquet l'autre potentiel partenaire qui a suivi l'entreprise. Donc, généralement, dans qui entreprise, moun reme acheter, yo reme acheter produit ou bien moun reme investir. Parce que son tendance jodi, hein, quelle que soit l'entreprise à travers le monde, les bonnes tendances à aller vers entreprise qui est responsable socialement. Donc c'est une grosse opportunité que ça nous a lié pour l'entreprise, pour être capable de prouver tête, de prouver communauté qui a évolué là-dedans, qui a travaillé là-dedans, que yo, c'est des entreprises qui sont responsables. Lorsque yo bail moun qui handicapé, nous ta kap di ki c'est moun qui vulnérable, plus vulnérable que tout l'autre monde dans la société, yo bay moun sa opportunité pour yo travail, yo contribuer dans inclus financièrement moun sa yo, inclus socialement. Donc 50 entreprises sa yo dans sens ça gagne qui rele nous de manière volontaire, mais gagne tout c'est nous contacter, nous présenter au projet, yo dit ah bon, ça son on opportunité. Donc, yo a présent dans le salon, il y a bien un cursus dans le côté qu'il y a bien possibilité pour faire promotion pour tête tout. Parce que quand même, entreprise, c'est pourvoyeur d'employés. Donc, nous pas capable de limiter yo, pour nous dire non, ce n'est pas un espace de promotion. Au contraire, c'est un événement qui, pour entreprise, d'abord, mais surtout pour les handicapés. Donc, il y a bien possibilité pour faire des interviews sur place. Quoi que le processus là commence déjà, nous faisons sélection CV pour nous regarder, pour nous voir qui dossier qui est approprié avec ça, entreprise décrit comme besoin en termes d'offre d'emploi. Mais tout, le jour même, il y a bien possibilité pour passer interview et puis pour accélérer le processus d'embauche là. Mais nous voulons dire tout, d'accord, nous voulons dire tout que tout le monde qui dévoile CV n'a pas qu'à participer parce que nous avons contraint d'espace. C'est 200 personnes que nous sonnons, que nous voyons carte d'invitation pour eux, que nous voyons badge pour eux, c'est eux qui participent, qui ont des possibilités pour eux participer dans l'événement. Ça. Parce que, j'en ai dit, nous sommes obligés de respecter toutes mesures sanitaires qui peuvent permettre tout le monde qui participe dans le salon, capable de retourner la caillou sain et sauf.